Il y a un nouveau dossier qui est tombé du côté de la Guinée. On avait parlé, on attendait le chronogramme. Tous ceux qui parlaient disaient, yo, ouais, vous organisez quand les élections? En fait, la famille, le CNRD a pris le pouvoir le 5 septembre. Alpha Condé, alias Aluga François, a été délogé du palais Sékou-Touré le 5 septembre exactement. Et le CNRD est arrivé. Ils ont fait un discours quand ils sont arrivés. Ils ont expliqué un peu qu'est-ce qui les a poussés à renverser, à prendre le pouvoir. Il y a beaucoup de versions qui sont sorties. D'abord, la première raison qu'on nous a dit à nous et la raison qui est, disons, plus valable. On sait dernièrement, à la fin du régime de Louga François, le torchon brûlait entre le colonel Mamadou Doumbouya et docteur Diané, qui était le ministre de la Défense. Les deux ne se comprenaient pas. Pourquoi? Parce que bon, l'unité des forces spéciales qui était commandée, qui était dirigée par le colonel Mamadou Doumbouya, était une armée dans l'armée. Maintenant, bon, Mohamed Diané, qui était le ministre de la Défense, avait demandé à Alpha Condé, c'est-à-dire de tout faire pour que, c'est-à-dire l'unité des forces spéciales soit subordonnée, soit reliée directement, hein, dépendre directement du ministère de la Défense, c'est-à-dire sous lui sa tutelle. Donc le colonel Mamadi Doumbouya avait catégoriquement refusé. Lui, il avait dit que non, les forces spéciales, l'unité des forces spéciales, ou bien on dit forces spéciaux. En tout cas, c'est les forces spéciales. Sera totalement indépendante. Le colonel Mamadi Doumbouya a dit ça. Maintenant, bon, ils ont commencé à se chamailler. Dans chamaillement, on sait que docteur Diané était très, 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 très proche de Alpha Condé. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu d'abord écarter le colonel Mamadi Doumbouya et son unité de forces spéciales. Ils ont créé une autre unité pour protéger la présidence. Parce que bon, l'unité des forces spéciales a été créée uniquement, c'est-à-dire pour protéger Alpha Condé. C'est dans le seul but, protéger Alpha Condé à l'époque, en fait. Le maintenir au pouvoir, c'était pour ça. C'était pour ça. Maintenant, vu qu'ils ne se comprenaient plus, hein, donc ils ont voulu écarter Mamadi Doumbouya, ils ont créé une autre unité. J'ai oublié le nom de l'unité en question. Mais en tout cas, ils ont créé une autre unité qu'ils ont rattachée à la présidence. Ils ont écarté Mamadi Doumbouya et les ont envoyés à Forécaria. Lui et puis tous ces petits, les ont envoyés à Forécaria. Maintenant, vu qu'ils ne se comprenaient pas avec Diané et ils avaient peur de Mamadi Doumbouya parce qu'il était puissant, son unité était surarmée. Vous comprenez un peu? Et donc, ils ont voulu mettre main sur lui. Maintenant, au lieu. Mamadi Doumbouya, étant intelligent, étant vraiment bien formé, il n'a pas attendu qu'on mette main sur lui. Lui, en première position, est venu mettre main sur Alpha Condé avant qu'on ne mette main sur lui, qu'on ne l'exécute. Parce que si on mettait main sur lui, il allait mourir. Vous comprenez un peu? Donc il est venu, il a renversé le pouvoir. Ça, c'est la version qui est sortie des coulisses. Il a renversé le pouvoir parce que voilà, il avait peur pour lui-même, son âme. Il était menacé, son unité était menacée. Hein? Hein? Donc, lui, il est venu renverser le pouvoir pour tout gérer. Tranquillement, tranquille. Maintenant, bon, le CNRD, après avoir renversé le pouvoir, ils nous ont expliqué quoi? Ils nous ont dit non, c'est la gabegie financière, l'instrumentalisation de la justice, hein? La personnalisation du bien public qui les a poussés à renverser Alpha Condé. Maintenant, ils ont dit qu'ils vont nettoyer le terrain et organiser des élections libres, crédibles et transparentes et ils vont partir. Ils ne sont pas là pour le pouvoir. Ils ne sont pas là pour gérer le pays pendant longtemps. Ils sont là pour mettre de l'ordre. Et ils ont dit qu'ils ne seront pas candidats. Et moi, à l'époque, j'avais dit quoi? J'ai dit, ah, certes, si une élection a été organisée en Guinée, Mamadi Doumbouya a dit qu'il ne sera pas candidat. Le CNRD, personne ne sera candidat. Les ministres, personne ne sera candidat, mais la transition va durer pendant combien de temps? Question.
Parce que voilà, il va organiser les élections quand? C'était la grande question, la grosse question qui restait posée. Maintenant, bon, ben, après beaucoup de tractations, vu que la CEDEAO, c'est-à-dire bon, le syndicat de chef d'État, les amis d'Alpha Condé ont mis la pression. D'abord, ils ont dit quoi? Alpha Condé est libre. De deux, bon, d'abord, ils ont mis le CNT en place parce que c'est ça qui faisait débat. Après, ils ont dit Alpha Condé est libre. Hein? Même si c'est lui le chef de la bande, ils ont arrêté tous ses lieutenants. Ils disent que lui, il est libre. Maintenant, bon, après, ils ont fait quoi? Ils les ont mis la pression. La CEDEAO les a mis la pression pour qu'ils sortent un chronogramme clair par rapport à la transition. La durée de la transition, c'est ça qui faisait débat dernièrement. Et aujourd'hui, on a vu le communiqué qui est tombé. Le communiqué du CNRD, que je vais vous lire un tout petit peu. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais lire une petite paragraphe qui est vraiment importante. La paragraphe importante, je vais la lire. On va la lire ensemble. Voilà. Ok. On a vu. Notre armée nationale, patriote et républicaine, qui s'est toujours tenue aux côtés de son peuple. Vas-y, le discours. Ses responsabilités pour redresser le cours de notre histoire et de notre destin commun. Au péril de nos vies, en hommes et femmes d'honneur, voués au sacrifice suprême, dont la vie est dédiée à la patrie, nous avons fait le serment solennel de libérer la Guinée du poids de tous ses démons, d'exorciser aussi les fantômes qui la hante depuis toujours. Le peuple a soutenu son armée pour solder le passé et ouvrir pour le pays de vastes sentiers de la refondation de l'État et de la restauration de la démocratie. Mes chers compatriotes, tout notre parcours est marqué par des choix difficiles et assumés. Des décisions responsables et conséquentes. Le seul boulot, par exemple. Dont le tribut fut parfois lourd. Mais à aucun moment, nous n'avons baissé les bras ou renoncé à notre liberté et à nos convictions profondes. Si nous nous préoccupons tous de là où nous allons, nous devons chaque fois interroger notre mémoire pour rappeler d'où nous venons. Mes chers compatriotes, devons-nous défendre la Guinée d'abord? Ou comme depuis longtemps, devons-nous nous limiter chaque fois à défendre notre cause personnelle et des intérêts partisans? Le choix qui nous est donné à tous demande de notre part un sens élevé de la responsabilité et un sursaut patriotique. D'accord. Il n'est jamais facile de changer un ordre tout établi. À fait. Même s'il ne profite qu'à une minorité de remettre en cause des droits acquis, même injustifiés et illégitimes. Mais c'est un sacrifice que nous avons décidé de consentir en toute conscience et en toute responsabilité pour rétablir l'État dans ses droits et finir avec le laisser-aller et l'impunité chronique. La Guinée doit être débarrassée des inégalités, des injustices, des discriminations, de tous les manquements qui entament la cohésion nationale, menacent la paix sociale et affectent l'autorité de l'État. Mes chers compatriotes, j'invite tout un chacun à privilégier le projet commun et à s'engager dans l'élan national du CNRD qui ambitionne de parvenir à l'unité de notre pays tout en restant nous-mêmes, en gardant notre identité, en tenant compte de nos différences. Nous restons ouverts au monde, à la coopération avec tous les États, toutes les institutions et tous les partenaires dans le respect de notre souveraineté. D'accord. Une Guinée debout et fière. Oui. Réconciliée avec elle-même. Écoutée et respectée dans le monde.
est celle dont nous faisons le pari. Ah oui. En cette phase cruciale de notre histoire, une histoire faite de moments de fierté, de gloire, de bonheur, mais marquée aussi par des événements douloureux et des tragédies inoubliables. Ah. C'est à partir des leçons de notre vécu commun et de toutes les erreurs parfois tragiques du passé que nous pourrons surmonter les difficultés du présent et relever tous les défis qui se profilent à l'horizon. D'accord. Mes chers compatriotes, la transition en cours a pour finalité, nous en convenons tous, de restaurer, de renforcer la démocratie et l'état de droit, de rétablir tous les fondamentaux de la République et de la nation. Oui. En même temps, c'est une vision. C'est quoi ça? On n'a plus la... par une grande populaire et conduite avec adhésion des braves populaires. Qu'est-ce qui se passe? Son or ne brimera pas le faible. Et on fera du mal. L'égalité des sens sera garantie. Tous les citoyens auront les mêmes droits et les mêmes devoirs. Le fort ne brimera. En clair, le CNRD aspire à une Guinée d'égalité et de justice. Bah. Et travaille de toutes ses forces. C'est à la fois une exigence politique de notre époque et une demande sociale pressante. Cela est une priorité pour nous. Aux côtés de toutes les autres préoccupations exprimées légitimement, Guinéennes et Guinéens, mes chers compatriotes, je ne décide pas seul. J'agis avec tout le monde. Il y a eu un référendum. C'est pourquoi il y a eu successivement les journées nationales de concertation, les assises nationales et maintenant le cadre de concertation et de dialogue. Ah, mon colonel. Tout ça là, c'est de la propagande. C'est le lieu pour moi de remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces différents travaux. Chaque Guinéen a droit à la parole. La vie de tout le monde compte. Hey, Seigneur. C'est la volonté de la majorité qui tranche les contradictions. De même que celle du peuple souverain a vocation à rallier tous et à s'imposer à chacun. Il en est de même de la durée et du chronogramme de la transition que les autres questions vitales de la nation. De toutes les consultations engagées à tous les niveaux depuis le début de la transition, avec toutes les composantes de la nation, auprès de tous les Guinéens partout où ils se trouvent, il ressort une proposition médiane d'une durée consensuelle de la transition de 39 mois. Le CNRD une proposition médiane d'une durée consensuelle de la transition de 39 mois. Le CNRD et le gouvernement à leur tour soumettront au CNT qui tient lieu de parlement cette proposition qui est consécutive à de larges et patientes concertations. Le temps aussi, bien dans nos vies que dans nos œuvres, peut être un repère. L'essentiel a été dit. Il a dit le mot-clé. Il a raconté beaucoup de choses. Bon, d'abord, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'actes qui ont été posés. La récupération des domaines de l'État. Il y a une grosse faille dans cette histoire de récupération des domaines de l'État. Tout le monde est d'accord, tout le monde est unanime. Il y a une très très grosse faille, un très très problème dans cette récupération des domaines de l'État. Deux, cette histoire d'assises nationales où les gens vont aller s'asseoir, c'est-à-dire pour se regarder. Je ne sais pas pour discuter de quoi. C'est de la démagogie, au fait. On ne peut pas on ne peut jamais, on ne peut pas parler de réconciliation. On ne peut pas parler de paix sans parler de justice. Tout commence par la justice. La réconciliation, d'accord, mais la justice, d'abord. Il y a des gens qui ont été victimes dans ce pays. Il y a des plaies qui sont béantes, qui sont ouvertes, qui n'ont jamais été pensées.
Donc on ne peut pas parler de réconciliation sans parler de justice pour tous ces cas, pour toutes ces victimes qui sont assises là, qui sont en quête de justice depuis, qui attendent. On ne peut pas mobiliser 2-3 personnes dans une salle au palais, ils vont parler d'assises nationales, ils vont s'arrêter, ils vont se regarder, je ne sais pas, ils vont parler de quoi, pendant que les véritables victimes sont assises dans les quartiers là-bas. Ça, au fait, cette histoire d'assises nationales, c'est nous les noms d'avenir. Ça, d'abord, je tiens à le préciser. Vous savez, moi, je ne suis pas un saboteur, je ne sabote pas pour saboter. Mais je dis la vérité de façon claire. Je ne suis pas un griot, je ne suis pas un communicant. Cette histoire d'assises nationales est une histoire qui a été bâclée. C'est de la propagande, c'est des histoires. Vous comprenez un peu. Voilà, maintenant, bon. Par rapport à cette proposition de 39 mois. 39 mois de mandat. 39 mois pour la durée de la transition. C'est-à-dire 3 ans, 3 mois. Plus 8 mois de bonus. Parce que depuis septembre. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Ça fait 8 mois. Voilà, bientôt 9 mois. Depuis que le CNRD est là. Vous comprenez un peu. Donc, ils disent qu'ils vont rester là 3 ans, 3 mois, plus les 8 mois qui feront combien? 8 plus 3, c'est combien? C'est 11. C'est-à-dire 3 ans, 11 mois. 4 ans, moins 1 mois. Ça, c'est un mandat présidentiel. C'est un mandat présidentiel, très cher colonel. Ce n'est plus une transition. Une transition ne dépasse pas 2 ans. Une transition normale dans un état normal. Bon, la Guinée, c'est un état normal. Mais une transition ne peut jamais, plus grand jamais, dépasser 2 ans. 2 ans. Sinon, on dira que l'objectif n'est pas en tout cas d'organiser des élections. Ça, au moins, soyons clairs, soyons honnêtes, soyons directs. Ça, c'est mon avis. Je pense que 3 ans, 3 mois plus 8 mois qui font en tout 3 ans, 11 mois, 4 ans, moins 1 mois, ça, ce n'est plus une transition, c'est un mandat présidentiel. Ouais, avec tout ce qu'il faut, avec tout ce qui va avec. C'est un mandat présidentiel. Ouais, mais c'est clair pour tout le monde. C'est un mandat présidentiel, ce n'est pas une transition. Ce n'est pas une transition, c'est un mandat présidentiel. Normal. 4 ans. 4 ans, c'est un mandat présidentiel. Il y a des pays, c'est 4 ans le mandat. Le mandat du président, c'est 4 ans ou 5 ans. Une transition ne peut pas dépasser 2 ans. Jamais de la vie. Sinon, ce n'est plus une transition. C'est un mandat présidentiel. Au Mali, c'est un mandat présidentiel qui est engagé. En Guinée, c'est un mandat présidentiel. Alors, en Guinée, il y a beaucoup de choses à faire, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses à faire, mais dans les règles de l'art. Il faut faire les choses dans les règles de l'art. Voilà. La récupération des domaines de l'État. Au fait, actuellement, dans cette récupération des domaines de l'État, on voit qu'il y a des concessions qui sont cochées dans certains endroits en Guinée, surtout en Moyenne Guinée. On a vu à Dalaba où des belles maisons construites par des expatriés ou bien par des privés, des particuliers, ont été cochés. À Conakry, je peux comprendre. Mais disons, au Fouta Diallo, où il y a combien d'hectares qui sont vides, combien de terrains, combien, c'est-à-dire ça finit même pas. Qu'est-ce qu'ils veulent construire en réalité? Qu'est-ce qu'ils veulent construire en réalité? S'ils cassent ces maisons qui ont été cochées, qu'est-ce qui sera mis à la place? Déjà, il y a des maisons qui avaient été cassées depuis en 1998. Rien n'a été mis à la place. Kapour Ouray en est témoin. Il y a d'autres maisons qui ont été cassées encore, cassées. Donc, les États qui viendront, les autorités cassent seulement et ne construisent pas. Ils ne font que casser, ils ne construisent pas. Il faut que les choses soient faites dans les règles de l'art. Et puis, dans toute chose, il y a les priorités. Il y a les priorités. Maintenant, bon, ça c'est ce que moi je pense. Vous comprenez un peu. Mais là, regardons la réalité en face. C'est qui l'homme fort de la Guinée?
C'est qui l'homme fort de la Guinée? La famille. Hein? C'est le colonel Mamadi Doumbouya. Il a les armes, il a la magie. La Guinée, ce n'est pas un pays de droit. La Guinée, c'est une jungle. C'est la loi du plus fort. Il est le plus fort de la Guinée, donc il fait ce qu'il veut. Il a fixé la transition à 3 ans bas. Il a fixé la transition à 4 ans bas. Il a fixé la transition à 5 ans bas. S'il veut, s'il fixe la transition à 10 ans bas, qu'est-ce que nous, autres Guinéens, on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien, absolument rien, à part observer et critiquer. C'est tout. On ne peut rien faire de concret. C'est lui qui a fait quelque chose de concret parce qu'il a pris les armes. Il est parti, il a délogé, soi-disant délogé ou délogé. C'est vous qui voyez, Alpha Condé. Là, 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 il fixe la durée de transition au moment qu'il veut, le temps qu'il veut, et rien ne va se passer, personne ne va bouger. C'est ça qui est la, c'est ça qui est la vérité, en fait. C'est ça qui est la vérité, la famille. Tu mets un commentaire, bande de compte, tu seras bloqué à vie. Ah, ça, je te préviens de... Avant de commenter, il faut réfléchir mille fois. En tout cas, c'est moi, mon direct. Voilà, parce que moi, je bloque. Moi, je rigole pas avec ça. Voilà, tu mets un commentaire, bande de cons, je te bannis, je te bloque. Ça, c'est... Ça dit, il n'y a pas de débat. Ça sera ta dernière fois de commenter. Donc, un homme prévenu en vaut des milliers. Ici, on réfléchit avant de commenter. Sinon, c'est je te bannis. Ça dit, je ne bannis pas, en fait. Sauf si je ne vois pas ton commentaire dit. Wallahi billahi tallahi. Si tu n'as plus envie de commenter, remets un commentaire bande comme mon frère. Ça sera ta dernière fois de commenter ici. Billahi wallahi tallahi. Ah, tu ne vas même plus voir même mes vidéos. Ça, t'es dougalema. Bref, si tu es fâché, crée une page, va faire ta vidéo, va donner ton avis là-bas. Ici, c'est ma page. C'est moi qui l'ai créée. C'est moi qui parle. Donc, je disais, la famille, toutes les façons, on va beau parler. On va beau parler. Toutes les façons, ils feront ce qu'ils veulent. Ils ont les armes. Ils ont dit non, il est venu dire non, concertation, assise nationale, entrée ici, sortie ici. Quelle concertation? Le CNRD décide. Il décide, tout ce qu'il décide, c'est ce qui va se passer. Tout ce qu'il décide, c'est ce qui va se passer de façon exacte. Et puis personne, aucun Guinéen ne peut bouger un seul doigt. J'entends des gens parler de manifestation. J'entends des gens parler de manifestation, je ne sais pas quand est-ce. Vous savez, je ne voulais même pas parler de ça. Je ne voulais pas parler de ça à la base. Mais là, là, je vais toucher un peu. Maintenant, la veille, je vais venir parler même pour de vrai. J'ai vu des gens, des communicants du RPG. Et quelques personnes, d'autres que je respecte, bien sûr. Par exemple, j'ai vu le frère Tola parler d'une manifestation qui serait prévue le 5 mai, là, le 5 mai qui arrive là, qui est une manifestation à Conakry contre le CNRD. Initiée par Tola et des communicants du RPG, même pas le RPG de base. Même pas par un parti politique, mais des communicants du RPG qui sont sur la toile se sont associés à toi là-bas, qui est un frère que je respecte, je le précise, qui est un frère avec lequel je suis vraiment d'accord, on est très amis. Pas très, mais on est amis. C'est un grand frère, ouais, c'est un grand frère, Kotra Omomi, Momi Teddini, ouais, c'est la vérité. Mais dans cette direction, dans cette histoire de manifestation, moi j'avais été clair avec lui dans le privé. Mais je vais revenir sur ça pour bien parler de ça en fait. Je vais revenir pour bien parler de ça. Vous allez manifester comment? J'ai bien envie de savoir. Vous allez manifester en quoi faisant? Vous allez manifester en attendant quoi comme résultat? Et vous allez manifester où et comment? Et ouais, en comment?
En tout cas, ce n'est pas sur l'axe. Hamdallah Bambeto Koza. Ça, jamais de la vie. Même si c'est celui d'Alain Diallo qui appelle à manifester sur l'axe Hamdallah Bambeto Koza, il me trouvera sur son chemin. Même si c'est celui d'Alain Diallo qui est le plus populaire de la Guinée, qui a plus de partisans, c'est-à-dire, même s'il n'appelle pas à manifester, il y en a qui sortent pour manifester. Même si c'est lui qui sort ici en communiqué, qui sort, qui fait un poste, qui dit « Ah, il appelle à manifester en Guinée-Conakry, en tout cas concernant l'axe Hamdallah et Bambeto Koza, à moins que tous les Guinéens se lèvent, c'est-à-dire de Bolpiné, de Kassa à Yomou, tout le monde se lève comme un seul homme, mais en tout cas, il n'y aura plus jamais de manifestation sur l'axe Hamdallah et Bambeto Koza, cité cimenterie, Sonfonia à Kabele. Tant que je vivrai, je m'y opposerai. Même si c'est celui d'Alain Diallo qui appelle à manifester. À plus forte raison, si c'est toi là-bas, ou des communicants même du RPG, qui ont chié ici sur les gens, pendant des manifestations, il y a des gens qui ont été tués. Ils se sont flanqués ici même sur la toile et dire que, c'est-à-dire que c'est des moutons qui ont été tués sur l'axe. Des moutons. Maintenant aujourd'hui, les mêmes imbéciles, les mêmes idiots de merde vont se lever, vont se mettre sur la toile ici qu'on a manifestation contre le CNRD. Vous allez manifester, ça va servir à quoi? Si une manifestation pouvait changer quelque chose en Guinée, ça aurait déjà changé des choses. Depuis autant de Louga François, depuis autant d'Alpha Condé, votre maître. Voilà. Donc là, vous qui parlez de manifestation, en tout cas moi, vous allez me trouver sur votre chemin. Voilà. Sachez, par exemple, le frère Tola, je ne suis pas ton ennemi. Je te respecte. Mais j'avais été clair avec toi dans les coulisses, en privé. Je t'ai dit, grand frère, si on a tourné. Et il est sorti que vraiment la solution, c'est les manifestations. Moi, je ne serai pas dedans. Et quiconque appellera ici à manifester, il me trouvera sur son chemin. Même si c'est qui, je le dis haut et fort. Il y a eu combien de morts? Combien de jeunes ont été tués sur l'axe? Hein? Combien de jeunes ont été tués à l'intérieur du pays? À l'abbé? Hein? Combien de jeunes ont été tués en forêt? En basse-côte, on se rappelle. Un moment, vers Dubreka. À Dubreka, il y a eu combien de jeunes qui ont reçu des balles là-bas? Il y a 5 jeunes ou 7 jeunes qui étaient morts là-bas. Plus de 300 jeunes ont été tués sur l'axe. Hamdallah Bambeto Koza, qu'est-ce que ça va changer? Hein? Qu'est-ce que ça va changer? Vous allez vous lever ici pour parler de manifestation. En fait, là, le CNRD a la force. Voilà. Ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Une transition de 39 mois, ce n'est plus une transition, c'est un mandat présidentiel. Mais qu'est-ce qu'on peut? J'ai bien envie de savoir. En fait, j'ai envie d'entendre, c'est-à-dire une solution concrète, c'est-à-dire venant de quelqu'un. Le CNRD aujourd'hui, qui peut le combattre? D'abord, ils ont ramassé tous les anciens ministres, ils les ont foutus en prison, c'est pas ça. C'est le Alain Diallo. Et là, j'ai celui d'Alain Diallo, président de l'UFDG. Le jour où il met le pied en Guinée-Conakry, il ira tout droit à la maison centrale de Conakry. Lui-même, il est au courant. Billahi Beso Kaimo. Wallahi billahi tallahi. Je l'avais dit, je le redis, je le réitère. Et il sait, il est au courant. Beso Kaimo, Bekar Kaimo, ils vont le salir, ils vont tout faire, c'est-à-dire pour ne pas qu'il se présente aux prochaines élections qui arrivent. La seule chose qui peut l'éviter la prison, c'est de rester en exil. Pendant ces 3 ans-là. Pendant ces 3 ans, 3 mois-là. Et même après ces 3 ans, 3 mois, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Doumbouya, il prend goût au pouvoir. Il prend goût, non? Il prend goût au pouvoir. C'est pas ça? Il prend goût au pouvoir. Après les 3 ans, 3 mois, et plus tu es là-bas, plus tu prends goût. Le pouvoir, wallahi billah, il ne va pas quitter. Hein? Que tous les Guinéens mettent ça en tête. Le colonel Mamadi Doumbouya ne va pas quitter. Même au bout des 3 ans.
même au bout de 3 ans, 3 mois. Il dit non, c'est une concertation, patati patata. Ils vont tourner. Vous avez, la CEDEAO, vous pensez qu'ils sont influents? La CEDEAO, ils ne sont pas influents. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas respectés, c'est des marionnettes. Il y a des gens même qui sont là-bas qui sont plus sales que ceux même sur lesquels on met la pression ici aujourd'hui. Ça, tout le monde le sait. Mais là, qui souffre? Le peuple de Guinée. Qui encaisse les pots cassés? Les citoyens lambda. C'est les citoyens lambda qui encaissent les pots cassés. Ouais. Ceux qui sont au pouvoir actuellement, ils vont manger pour eux. Fais où? C'est la Guinée. On espère qu'ils auront l'esprit. En tout cas, tout ce que moi je leur demande, tout ce que je demande au CRRD, parce que de toutes les façons, qui peut quelque chose? Qui va les enlever? En fait, c'est une seule chose qui peut les enlever là-bas. De la manière dont ils sont venus, c'est la seule manière qui peut les enlever là-bas. La seule manière. Et qui a le kilo, qui a le courage parmi toutes les personnes qui parlent de se lever et puis aller les attaquer. De la manière dont ils se sont levés à Forêt-Caria un beau matin, ils ont foncé vers la ville, ils ont foncé vers Sékou-Touréa, ils ont buté tous les gardes-corps, ou bien la quasi-totalité des gardes-corps d'Alpha Condé. Ils ont pris Alpha Condé, ils ont mis de côté. C'est la seule manière. En fait, tu te lèves toi aussi dans ton coin, tu t'en vas, tu trouves Mamadi Doumbouya au palais Mohamed V là-bas, tu tues tous ses gardes, après tu le prends. C'est la seule manière qui peut l'enlever. Maintenant, qui va faire cette manière? Qui va procéder? C'est-à-dire, qui va... l'homme n'est rien de... L'homme n'est rien de... Vous et moi, très cher Guinéen, on est dans la merde. On est dans la merde, on tourne en rond. C'est dommage pour ce pays. C'est dommage pour ce pays parce qu'on est toujours dans un éternel recommencement. Voilà. On est dans un éternel recommencement. Ils sont là, on espère au moins qu'il aura pitié. Qu'il aura pitié. Moussa Kourouma, tu seras bloqué tout de suite. Hein. Je te préviens, Moussa Kourouma, tu remets un commentaire de ce genre, ça sera ta dernière fois de commenter Moussa Kourouma. Je te préviens. Donc, c'est dommage, wallahi billahi tallahi, c'est dommage, hein, c'est très très dommage, hein. C'est reparti, en fait les militaires sont là encore, tous les Guinéens n'ont qu'à préparer leur esprit à ça, tous les Guinéens n'ont qu'à mettre ça dans leur tête, enlevons l'histoire d'élection dans notre tête, enlevons ça dans notre programme, au moins vivons tranquille, mettons-nous au travail. Moi j'appelle toute la jeunesse guinéenne, arrêtez de regarder les politiques, les politiciens. Mettons-nous au travail. Cherchons-nous. Il n'y a pas assez d'opportunités. Allons-y en aventure, s'il le faut. Même avoir un passeport en Guinée, c'est des problèmes. Avoir de quoi manger, c'est des problèmes. Tu prends ton argent, tu t'en vas, tu investis en Guinée. On vient, on brûle tout ton argent. Tu as dit toute ta sueur, on vient, on détruit tout en une seule journée. Prenons notre peu d'argent. Si ça ne va pas en Guinée, il y a le Sénégal. Ils sont réglo. Il y a la Côte d'Ivoire, ça va un peu. Il y a d'autres pays. Allons-y là-bas, cherchons-nous. Mettons-nous bien. L'Afrique, c'est une famille, non? L'Afrique, c'est une famille, non? Hein? L'Afrique, c'est une famille. C'est pas ça? L'Afrique, c'est une famille. Donc, allons-y. En tout cas, mettons-nous au travail. Enlevons l'histoire de politique dans notre tête. Laissons les politiciens. Cherchons-nous. Depuis 1958, on ne parle que politique dans ce pays. Depuis 1958, on ne tourne qu'en rond. Depuis 1958, on a des dirigeants maudits seulement. Donc on est là, on tourne en rond tous les jours. Bon, on a tel président qui est maudit. Il vient, il fait ce qu'il a à faire. Il vole tout l'argent du pays. Il fout le bordel, il s'en va. Un autre vient le remplace. Celui qui le remplace est pire que lui. Ainsi de suite, quoi. Ainsi de suite. Éternel recommencement. Un pas en avant, 1000 pas en arrière. Hein? Un peuple maudit. Wallahi. La plupart, hein, pas tous. Il y a des exceptions. Mais hein, un pays maudit, avec une population maudite, pour la plupart, 80%. Excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. C'est la vérité, la famille. C'est la pire vérité, au fait. C'est dommage. C'est dommage, hein? Donc là, c'est reparti. Le mandat du CNRD, le mandat du colonel Mamadi Doumbouya est officiellement déclaré.
Le mandat du colonel Mamadi Doumbouya est officiellement déclaré. Ouais. Donc, acceptons-le. Ou bien, ceux qui parlent de manifestation, vous êtes des plaisantins. Vous qui parlez de manifestation, depuis là, je vous observe, je ne dis rien. Vous êtes tous des plaisantins. Surtout, les communicants du RPG, là. Vous êtes bêtes comment? Vous êtes bêtes comment? Vous oubliez vite, hein? Vous aviez du caca à la place du cerveau? Hein? Vous oubliez vite, hein? Vous oubliez vite. C'est pas vous qui disiez ici que c'est des moutons qui sont morts. C'est pas vous qui disiez ici, tant qu'il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de mort. C'est les manifestations qui occasionnent les morts. Maintenant, vous allez vous flanquer aujourd'hui. Parce que bon, le RPG a été dégagé du pouvoir. Il y a des cadres corrompus, des maudits cadres du RPG qui sont chopés, jetés aujourd'hui en prison à la maison centrale de Conakry. Vous allez vous asseoir, Kono, manifestons. Manifestation. J'ai envie de voir la personne qui va sortir le 5 mai pour manifester ici. J'ai bien envie de le voir. Hein? Montrez-moi la personne qui va sortir pour manifester. Hein? On a envie de le voir. Wallahi billahi tallahi. On a bien envie de le voir. Qui va sortir pour manifester? Qui? Hein? Qui va sortir manifester le 5 mai ici? Qui? Tous ceux qui appellent à manifester, eux tous, sans exception. Wallahi billahi tallahi, vous êtes des plaisantins. Si jusqu'à présent, ça dit, vous aviez dans la tête que c'est une manifestation qui pourra changer quelque chose. Les gens vont sortir manifester. Qu'est-ce que ça va bouger? Qu'est-ce que ça va changer dans la vie de Doumbouya? Qu'est-ce que ça va changer dans cette histoire de 3 ans, 3 mois? Hein? Une manifestation va lever Doumbouya au palais Mohamed V? Dites-le moi, s'il vous plaît. Il y a eu combien de manifestations qui n'ont pas levé Alpha Condé à Sékou Touré? Vous allez nous parler de manifestation. Coup manifestation. Ouais. Non, le coup d'État était apprécié. Il était appréciable. Exemple, je vous explique. Exemple. Attendez. Il y a des gens qui sortent qui disent non, vous aviez apprécié le coup d'État. Donc, assumez. Aujourd'hui, là où nous parlons, je préfère 1 milliard de fois la tête de Doumbouya que la tête de Alpha Condé, moi Big Soul, billahi wallahi tallahi. Ouais, je le dis haut et fort et puis je l'assume. Par exemple, il y a quelqu'un qui te frappe. Il est là, il te frappe. Il est en train de te frapper. Maintenant, quelqu'un d'autre quitte là-bas. Viens frapper la personne qui te frappait là. Tu seras content, waouh, ou bien tu ne seras pas content. Pour le moment, ça veut dire à l'instant, tu ne seras pas content. Quelqu'un est en train de te tabasser. Quelqu'un te tabasse fort. Une autre personne quitte là-bas. Et puis une autre personne qui est proche de la personne qui te tabasse là. Par exemple, en fait, le grand frère te tabasse. Hein? Il y a lui son grand frère, ou bien son petit frère, vient t'enlever dans sa main, et puis le tabasse. Sur le coup là, tu seras content. Même si après, celui qui a frappé ton bourreau, celui qui t'a frappé, se retourne contre toi, mais au moment où il est venu, où on te frappait, tu étais en bas, on te chicotait en bas. Il est venu prendre la personne qui te chicotait et puis il a chicoté cette personne. Wallahi billahi, tu vas l'applaudir. C'est logique. C'est très très logique. Donc si c'était à refaire, moi je vais le refaire 1000 fois. Je vais le refaire 1000 fois encore. Je vais applaudir le CNRD. 1000 fois. Wallahi billahi tallahi. Si c'était à refaire, j'allais le refaire. Mais là, soyons clairs et puis soyons réalistes. Tu sais, moi je ne parle pas pour parler. Je ne suis pas là pour parler, pour me faire plaire, non. Moi, je vois la réalité en face. Je ne suis pas pessimiste, mais je suis réaliste. Le CNRD est arrivé au pouvoir comment? Par les armes. Maintenant, toi, tu n'as même pas un bâton. Tu dis non, tu vas les combattre. Tu vas les enlever là. Tu vas passer par où? Tu vas faire comment? Tu parles pour parler.
qui parle pour parler, au fait. C'est aussi simple que ça. Donc, le CNRD qui a les armes là, tout ce qu'ils décideront, c'est ce qui sera fait. Le mandat, je vous dis, le mandat du colonel Mamadi Doumbouya est officiellement déclaré. Rien ne va changer ça. Rien. On va parler, on va commenter. Mais bon, pouf, quelle malchance.